Cette semaine, le Top Female est consacré aux perles de Caroline Wozniacki. Numéro 5, sa première victime est Rafael Nadal. L'Espagnol avait eu une crampe lors d'une conférence de presse en 2011 à l'US Open. Il n'en fallait pas plus pour que Wozniacki nous montre ses talents d'imitatrice. Pauvre Rafa. En quatrième position, une imitation de Serena Williams. Caroline sait aussi imiter ses consoeurs sur les cours. Cette fois, elle s'attaque à la plus jeune des sœurs Williams. Sa gestuelle et ses cris, rien n'est négligé. Le public semble apprécier. Troisième, une bagarre avec un kangourou. Les journalistes se plaignaient des conférences de presse trop monotones de Caroline. Elle a trouvé une solution pour y remédier, inventer une fausse histoire. La Danoise a expliqué qu'elle s'était fait attaquer par un kangourou dans un parc. Elle a démenti quelques heures plus tard. À la deuxième place, Caroline sait aussi danser. Enfin, elle essaye au moins. Lors d'un match d'exhibition, elle a offert au public une chorégraphie dont elle seule a le secret avant de se transformer en pom-pom girl. Elle a quand même plus de talent pour le tennis. Et au top des perles de Caroline Wozniacki, une blague ratée aux dépens de Maria Sharapova. Caroline a voulu perturber l'interview de sa consoeur en faisant éclater un ballon. Peine perdue. Et la blague tombe à l'eau. En tout cas, elle n'a peur de rien, Caroline. Et c'est finalement plutôt sympa.